Bonjour Claire, donc le contrat municipal étudiant est une aide de la ville de Valence qui est apportée aux étudiants qui sont en cycle supérieur, ça veut dire qu'ils ont eu leur bac. Il faut qu'ils aient moins de 28 ans, il faut qu'ils résident sur la ville de Valence depuis au moins 3 ans. Et ce qui est pris en compte également, c'est le quotient familial, mais également le fait que l'étudiant ait au préalable fait une demande auprès de l'État, c'est-à-dire une demande de bourse auprès de l'État. Ce dispositif existe depuis 2001 sur la ville de Valence et aujourd'hui 1500 étudiants ont pu en bénéficier. Contrat municipal étudiant, pourquoi ? Puisque en contrepartie, il est demandé à l'étudiant de donner un petit peu de son temps pour la ville, pour l'agglo ou pour une association. Bonjour Arthur. Alors votre question, non, effectivement, le contrat municipal étudiant n'est pas seulement réservé aux étudiants qui ont la bourse d'État. Ce que l'on demande, c'est qu'ils nous amènent un justificatif comme quoi la demande a été faite. Alors c'est un justificatif d'obtention, mais ça peut être également un justificatif de refus. La preuve, c'est qu'on a des étudiants qui vont pouvoir bénéficier du CME parce que d'autres critères vont être pris en compte. Et en particulier, nous prenons des étudiants qui ont jusqu'à 28 ans, alors que la bourse d'État ne va que jusqu'à 26 ans. Donc voilà déjà un critère qui est différent par rapport à la bourse d'État. Bonjour Camille, pour la contrepartie, quand vous viendrez en mairie retirer votre dossier de contrat municipal étudiant, vous devrez remplir le feuillet de contrepartie dans lequel vous nous indiquerez vos domaines de compétences. Et ce sera à nous à mettre en adéquation vos domaines de compétences et nos partenaires.